Elles sont propres tes chaussettes? Ouais. Et ta sœur, elle est pas propre? Ouais. Faudra lui demander. Alors les préparatifs de pinceau pour aller au lac d'Opral. Pinceau, c'est celui qui a le t-shirt bleu. Je oui, peux plus parler, moi, ça y est. Je suis le seul à être prêt, évidemment, comme d'habitude, les autres à la traîne. Ouais. Ils sont encore derrière eux. Ils avancent pas. Hein. C'est pas un serpent qui fait ce bruit? Non. Un serpent qui avance. La montée des cinq lacs. Pour aller au lac d'Opral, une montée moyenne à travers les mélèzes, c'est fabuleux. En plus, encore une belle journée. Un gaz. Les papillons. Oui. Voilà le retardataire, le traînard. Oh le salaud. Si Mado et Marie-Josée savent ça, tu vas voir un peu ce que je vais leur dire sur face de bouc. Rentre ton ventre. Regarde le tien. Hein. Encore une petite demi-heure, on est au sommet. Où sont les retardataires? On les voit plus. Bon, on l'a laissé devant. Hein. Il y avait un chemin par là, on a coupé plus court ou quoi? Faut lui laisser croire que il est le meilleur pinceau. Tu te rends compte que je suis obligé de m'arrêter pour les laisser passer devant? Hein? Petite pause à une vacherie. Pinceau se retouche les poils. C'est pour faire un litre. Bah, normalement, s'il y a un mec, il l'a fait pour lui. Hein, que Mado va le savoir que tu es là, que tu es très là en montagne. Et ils boivent même. Regarde, ils boivent même.
Je ne sais pas les sacs de ciment qu'il a montés. Les montagnes sont toujours un lieu de sortilège. Il y en a un qui est resté sec là. Voilà. Faire le détour. Encore 20 minutes, on y est. Non, moi je vais aussi faire comme toi, je vais couper. Je préfère couper, m'arrêter plusieurs fois que de faire tout ce détour là. Voilà, la baisse d'Opral. Parce que c'est obligé de faire le détour. Ah ouais? Et voici l'arrivée. Jeannette. Suivi de Claude. C'est qui a jeté ça? Ah, je sais pas. C'est pas vous? Non. On est arrivé, Claude. Si, c'est lui qui l'a perdu. Tu l'as fait exprès? Voilà. À gauche. Pinceau. La baisse de Pral. Alors, les marmottes, elles sont... Dans ce pré-là, en bas. Il y en a plein, 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 plein. Dans le pré face à Jeannette, là, qui est marron. Ah ouais. Voilà. Même s'il faut avec des jumelles, on doit pouvoir les voir. Claude, arrête de toucher à l'aigle. Non, je me touche oreille. Un jour on est arrivé au sommet de la Poudre d'Alope avec la pluie, tu te rappelles? Avec la... La pluie qui est arrivée quand on a dû redescendre. Oh, oui. Chélas dans les nuages.
Pourquoi ? Contre-jour.